Il est un cours d'eau nommé l'Antouy, aux confins de l'Aveyron et du Lot, qui témoigne d'un épouvantable drame que pourrait bien expliquer l'apparition d'un mystérieux gouffre révélé par une légende. En l'an 1122, au temps de Louis le Jeune, un monastère existait appartenant aux bénédictins de l'ordre de Cluny. Une légende se rattache au souvenir de ce monastère. En voici un résumé. La légende suppose que le gouffre de l'Antouy n'existe que depuis l'effondrement du monastère dont le dernier prieur fut Mathieu de Montvalla. Ce clerc impie avait une nièce, Louise de Montvalla, devenue châtelaine de Solvagnac par la mort de son père et fiancée au Sieur Guy, baron de Cajard. Le prieur, non pas par zèle pieux, mais par avarice, exhortait sa nièce à entrer en religion et à léguer ses biens au couvent qu'il gouvernait. Par une ruse infâme, il réussit à briser l'union des deux fiancés. Un soir que Louise, attardé, était venu lui demander l'hospitalité, il l'abandonna à la lubricité de ses moines. Un enfant naquit que la mère fit lever secrètement, en attendant qu'il fût en âge d'hériter de ses domaines. L'enfant disparut. Après des recherches inutiles, affolée de douleur, ne sachant à qui requérir, Louise vint implorer le secours de son oncle. Mathieu retient sa nièce au repas du soir. Il lui fait servir, préparer de diverses façons, des viandes dont, dans le trou où elle se trouve, il lui est impossible de distinguer la nature. Lorsqu'elle semble rassasiée, devant elle, on place une manette recouverte d'un voile que le prieur soulève. Et dans les reliefs de son épouvantable festin, elle reconnaît la tête, les pieds et les mains de son enfant. Elle se lève raide, muette, glacée, sort du couvent, sans que nulle force humaine puisse la retenir, et seulement lorsqu'elle franchit le pont qui traverse le ruisselet, elle s'écria « Dieu veuille vous punir, que la pierre la plus haute du monastère en devienne la plus basse. » Sa malédiction est entendue. À peine a-t-elle parlé, que lentement, sans bruit, dans un calme sinistre, pendant que la terre s'entr'ouvre, les murailles du couvent s'engloutissent pierre par pierre. Le lendemain, au bord de l'Antouy, une folle errait en suivant de l'œil le fil d'eau, et en chantant des paroles incompréhensibles sur un rythme étrange et troublant. On ne la revit plus. Mais le prieur continue à errer autour des ruines sous la forme d'un lièvre noir, devant lequel les chiens s'enfuient. Tout homme qui le rencontre est certain de mourir dans l'année. C'est le 24 mai à minuit que se fit le terrible miracle. Depuis ce temps, chaque année, à pareille époque et à la même heure, on entend la cloche du monastère distinctement. La grande cloche de bronze qui sonne les matines au fond du gouffre. Donc bonjour, bonjour à tout le monde. Donc me voilà arrivé au gouffre. Donc c'était dimanche, je crois. J'ai amené une caméra de chasse que j'ai mis en face. Donc j'espère la retrouver. Je prends l'eau d'une couleur vert bleuâtre. Alors je vais aller voir si j'y la vois. Et après, j'essaierai de monter au monastère, aux ruines du monastère qui sont quelque part là-haut. Et ça, je vous promets rien parce que la végétation a bien repris le dessus.
Alors je vais faire le tour. Je crois que j'avais fait le tour par ici. Bon, c'est 8h du matin, il fait bien frais. Et en fait, là, je me trouve dans le département de l'Aveyron. Ben, comme d'habitude. Et là, je vais passer dans le département du Lot. Je crois que la limite est... traverse le gouffre. La limite, c'est ce ruisseau. Bon, là, il n'y a pas d'eau. Et traverse ici. La caméra est en face là-bas, de là je la vois pas. Je vais aller faire le tour. Alors je vais essayer de monter sans me casser la gueule. Voyez, des restes de feu de camp. Voyez, le monastère et les ruines du monastère sont quelque part là-haut. Je vois qu'il y a un chemin, j'essaierai d'y monter tout à l'heure. Donc là, je vais aller récupérer la caméra de chasse en espérant évidemment la retrouver. Voyez, on voit des arbres. Je ne sais pas si vous voyez bien là. L'arbre qui est dans l'eau. Par contre, j'ai pas vu les murailles, le reste des murailles. Bon, l'endroit est relativement paradisiaque, malgré cette légende. La caméra de chasse, j'ai essayé de ne pas me mettre à l'eau, elle est toujours là. Donc je l'ai mis dimanche et la légende dit que le 24 mai à minuit, on entendrait les cloches qui sonnaient. Bon, évidemment, la caméra de chasse, elle, les sons ne la font pas déclencher. On verra si quelque chose est venu sur l'eau. Ou... Allez, je la récupère. Ça y est, je l'ai récupéré. Je dois partir de l'autre côté qui est plus, on va dire, facile. J'ai plus d'espace pour regarder. Bon, j'avais amené le module pour voir sous l'eau, mais j'aurais pas d'endroit pour le mettre, pour l'envoyer. Bon, ben c'est pas grave. Hein. Par contre, j'ai pas mis de caméra au monastère là-haut, parce que j'en avais pris qu'une. Voilà, je vais redescendre. Par contre, ça glisse un peu. Voilà. Donc je regarde s'il y a eu des prises de vue. Bon, je l'avais mis là-bas parce que je voulais pas avoir plus de touristes. Ça m'intéresse pas. Allez, je regarde ce qu'il y a et après j'essaierai de monter vers le monastère là-haut. Donc apparemment le niveau de l'eau est toujours constant. Vous voyez qu'il n'y a rien qui alimente parce que
Bon, là, il y a une flaque d'eau, mais le ruisseau est complètement à sec. Et ils disent que le niveau est toujours constant. Et que le gouffre devrait être par là. D'après ce que j'ai compris. Par contre, les murailles, je ne les ai pas vues. Là, il y a les chaînes qui parlent, tordues et rabougries, comme ça qu'ils disent. Mais après, il y a des pans de murailles que j'ai pas vu. Là, on peut voir la chaîne dans l'eau. Ouais, je voulais envoyer le module que j'avais fait quand j'avais fait une vidéo de test. Mais j'ai aucun endroit pour l'envoyer. Je croyais pouvoir être assez proche. Bon, vu que ça fait quand même 3 kilos, j'ai pris un manche à balai, je vais bricoler. Ah mais je pourrais pas l'envoyer, c'est pas grave. Donc allez, je vais essayer de monter au monastère. Au ruine du monastère. Donc ça y est, j'arrive au niveau des ruines. Il reste un petit muret. Là aussi on dirait. Alors je sais pas si ça fait partie vraiment des ruines ou de l'ancien monastère ou si c'était l'extérieur. Donc en fait on est à 100 mètres du gouffre. C'est vraiment de l'aider. Quasiment plus rien. Je pense que c'est impossible de deviner comment était là vraiment l'architecture du monastère au 12e siècle. Je vais essayer de regarder tout ce que je peux voir. Apparemment, il n'y a pas grand chose. Il y a le même de l'autre côté. Je vais continuer par là. Ouais, la végétation a largement repris le dessus, malgré ces quelques pans de mur qui restent, qui résistent. Je continue par là. Là-bas, je pense qu'il n'y a plus rien. On va quand même regarder. Là, il n'y a plus rien. Là non plus. Bon, je regarde où je mets les pieds parce que ça glisse un peu. Toutefois, vous noterez qu'aujourd'hui, pour une fois, il n'y a pas de vent. Qu'est-ce que c'est agréable. Un autre pan de mur. Et le gouffre, en fait,
doit être quelque part par là. Je passe. Ouais, que moi je suis garé là-bas. Donc le gouffre doit être là où un peu il y a une tache noire. Je vous mettrai une flèche. Donc voilà, on a fait le tour sur la caméra de chasse. J'ai regardé vite fait, je pars regarder un détail. Il y a une trentaine de prises en élevant les miennes que j'ai déclenchées. Une trentaine de prises jour et nocturne. Donc le 24 mai à minuit, il n'y a pas eu de déclenchement. Par contre, il y a eu un déclenchement le 24 mai à 1h. Je crois que c'était 1h30. Donc j'ai pas regardé parce que sur l'écran est petit, donc on ne voit pas grand chose. Je regarderai ça tranquille chez moi. Donc voilà, c'était le monastère et le gouffre de l'Antouy, si je prononce bien. Ah, une branche qui se trouve à cheval sur le département de l'Aveyron et du Lot. Alors la limite est dans le gouffre, là où il y a l'eau. Et le monastère, lui, se trouve dans le département du Lot. Donc voilà, je vais rentrer. Regardez ce qu'il y a sur la caméra de chasse. Alors, j'espère que ça va être intéressant. Et je vous dis à tout de suite pour voir ce qu'il y a. Et je redescends tranquillement. À tout de suite. Donc, ce que j'avais dit, le 24 à 1h25 du matin, la caméra qui s'est déclenchée. Alors je me suis un peu précipité parce que le minuit, c'est faut attendre 22h30 pratiquement. Mais bon, un déclenchement qu'il y a eu et j'ai rien vu, ni sur la vidéo, ni sur la photo. Après, il y a eu beaucoup de déclenchements dus à la pluie, au vent et les miens que j'ai supprimés évidemment. Et là, il y a juste un petit point blanc. Alors, peut-être que c'est le reflet de l'infrarouge sur une feuille. Mais je ne l'ai pas revu ailleurs, ce point blanc qui était là. Ensuite, deux points lumineux qui passent dans l'eau. Par contre, là, c'est le proche de minuit, le 24. J'ai fait un zoom. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est des ragondins. Alors, je ne sais pas si les ragondins nagent. S'il y en a qui peuvent me le dire. Là, pareil. À 20h, le 25 mai, je vous l'ai remis. On voit une bestiole qui nage. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Si c'est un ragondin ou peut-être une loutre. Après, je sais pas du tout. Là, on le voit un peu mieux. Je pense que c'est un ragondin, mais je suis pas du tout sûr, en fait. Voilà, comme quoi il y a quand même un peu d'activité dans ce, on va dire, dans ce plan d'eau. Je pense que c'est le gouffre, après je suis pas sûr à 100%. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est là où il y a le gouffre. Hein. Alors là, on voit une brume. Quelque chose comme une fumée qui monte entre les... la touffe d'herbe et la branche qui est devant la caméra. J'ai pas su ce que c'était. Il y a comme un genre de fumée, quelque chose de blanchâtre là qui s'élève de l'eau. Alors je sais pas si c'est le... Je sais pas ce que c'est en fait. Vous voyez, ça le refait encore une fois là. Je sais pas si c'est... Là ça le fait un peu plus. Il y avait un point lumineux aussi. Et là, délicatement, une araignée qui arrive, qui est en train de tisser sa toile. On voit qu'elle tire un fil de soie. Voilà, donc
Mis à part ces deux bestioles qui sont peut-être des ragondins, voire peut-être une loutre, je sais pas. Et l'araignée, il y a eu que ces mouvements, on va dire, entre guillemets, que j'ai pu vous mettre, parce qu'après c'était la pluie, le vent, et il y a eu rien d'autre en fait. Donc voilà, c'était tout pour le gouffre de l'Antouille. Voilà l'araignée qui revient. Donc évidemment, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et tout ce que vous savez faire. Moi, je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao tout le monde!